Ça a tranché, chérie. Comment ça, je suis pas de très bonne humeur. Mais si, c'est une impression que vous avez. On continue la partie au moment où la voiture quittait la route et qu'elle a sauté dans le lac, je crois. Ah, il me semble que j'ai repéré un flingue dans le stream précédent. Bah oui, j'ai fait le montage, donc forcément j'ai regardé. On ne fait pas de montage les yeux fermés, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Je croyais que chaque fois que je m'endormais, je faisais du montage vidéo, mais non, pas du tout, je dors en fait. Et donc oui, en regardant ça, j'ai vu que par terre, il me semble, il y a un flingue, mais c'est très très flou. Et je l'ai pas vu, hein, pour être honnête, les premiers coups. C'est uniquement dans ce replay où j'ai eu cette petite lueur pas d'intelligence, mais de lucidité. Et donc on y retourne. Don't do this to me now! Stop! Mais je veux pas faire ça, monsieur. Ça commence très très mal. Merci. Non, il veut plus me prendre la... Alors, vite, je crois qu'il y a un flingue par là. Si on regarde bien. Regarde. On peut pas le choper. Alors, à quoi me sert ce flingue si je peux pas le choper? C'est débile. Je vais regarder de mon côté, il y a peut-être un truc. Radio, non. Quoique, il y avait une main qui est apparue là. Ça. Allez, squeak! Je suis de l'autre côté. Ah. Messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Ce n'était vraiment pas une réussite, ce passage, les amis, dites-moi. Ouais, elle était pas terrible, cette séquence. Hein. Elle a généré beaucoup, 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 beaucoup d'ennuis. Qu'est-ce qu'il veut, ce tractopelle? C'est une nouvelle technique, enterrer son propre tractopelle. Ok. I have to. Dans 3, 2. Même pas un éboulement, rien. J'ai toujours une pioche sur moi. Oui, alors les enfants.
ne sortez pas avec un cartable ou un de ces fameux récipients hermétiques en plastique dans lequel il y a du goûter. Non, non, plus important que ça, ayez toujours une pioche sur vous. Je vous le recommande chaudement. Vous ne saurez que trop m'en remercier à la récré. Comment ça, monsieur K, tu dis des saloperies pour les mômes? Eh ben, ces streams sont pas pour les mômes, hein. Je sais pas si vous avez remarqué quand même. Parce que entre le niveau des émissions et le niveau du jeu, c'est pas comme ça que vous allez sécher, les gars. C'est un jour de pluie. Moi, je vous conseille de rentrer votre linge et les mecs qui le portent. Mmh. Pas eu le temps d'y foutre le feu, on dirait. Ça va? C'est encore un Halloween qui a mal tourné, je pense. Quand mon perso se traîne. What's going on? Where is it coming from? J'ai rien vu, j'ai rien entendu, bonhomme. Ça s'appelle un éclair, hein, ça vient du plafond. Par contre, faut pas être en dessous quand ça touche le sol. Chérie d'amour, prépare les serviettes. Que là. J'étais attendu, apparemment. Oh, il y a mon char, dis donc, il s'est retransformé. C'est incroyable, ça. Bon, tant qu'il n'est pas rentré dans la maison, ça va. Chérie, faut fermer les portes un peu. Emma, you here? Je ferme, hein, parce que... Non, je ne peux pas, si. Cloque. Emma, chérie d'amour. Je suis persuadé qu'elle a encore des super pas bonnes nouvelles à m'annoncer. Je pense qu'elle est à l'étage, hein. Oh, c'est le bordel. Ouf, il y a eu du grabuge. Ouf. Chérie d'amour. Elle n'est point dans la chambre. Elle a dû faire une sacrée soirée avec les copines, hein, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais... Elle a semé un de ses bronx. Alors, est-ce que cette porte s'ouvrirait enfin? Oh oui, ce serait la grande nouvelle. Pas de grande nouvelle, mon ami. Alors, vous me direz, mais monsieur K, tu as un petit peu rushé jusqu'au cellier? Cela sous-entendrait-il que t'as pas trop envie d'aller, tu sais, l'inverse du cellier, là où c'est tout sombre, qu'il y a des bruits bizarres, qui fait un peu humide. Oui, les caves. Pff, non, pas super la grosse envie là tout de suite. Sincèrement, hein. Non, y a pas de Emma. Caramia. Fuck, I can't believe it. I'm too late. He's taken her. You had to fight him. I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here. I should have protected you. Oui, alors avec des six ici, on fait plein de trucs, hein, y compris des six circulaires. Que des portes fermées, c'est vraiment le bordel. Bon, mon petit cœur qui est pas là. J'ai super envie d'aller à la cave. Là, tout de suite, soudainement, ça me prend comme ça. Qui a verrouillé les portes pour m'accéder à mon bureau? Traces are leading to the basement. Ah ouais? Bon, moi, j'en ai pas vu particulièrement, bonhomme, mais... Si tu le dis... Ah, oui, il y a un petit peu de splotch, c'est de la confiote. Our basement? Si ça se trouve, elle a invité plein de copines stripteaseuses. Et elles se font une soirée baston dans la confiote dans une piscine gonflable. Oh ouais... Chérie, les copines. Ça y est, je suis rentré.
les cheveux encore tout mouillés, quoi, c'est dramatique. J'espère qu'elles seront nombreuses pour pouvoir me sécher. Oui, car ma crinière est longue et soyeuse, et je vais pas détailler parce que ça risque de dériver et je vais être obligé de classer ce stream en 18+ après. Il y a un problème avec le mur là, non? They went this way. He knows this house better than I do. Cara mia. Verbis doux. Oui, j'aime beaucoup mélanger les langages, vous le savez très bien. Une soirée donjon avec des chaînes. Ça, je veux. Non, non, pas ça! Comment je me suis fait sucrer le pied de biche? Je suis tristesse. Oh, et je me retrouve là où j'étais, avec ma barque, en train d'essayer de m'extirper des marais, à la poursuite de ce double maléfique. Who are you? You won't deceive me anymore. We end this today. Alors l'acting de notre avatar est pas GG, moi, je trouve. Parce que entre le fait qu'il surjoue, entre le fait qu'il fasse le mec super courageux, mais ça correspond pas vraiment à son timbre de voix, hein, si on est honnête. Oui, c'est pas le gars qui double Batou ou Schwarzenegger. Donc, il y a une petite faute de goût, je trouve, sur ça, c'est dommage. Cette rotation de caméra à chaque fois qu'il me dit plombe. Oui, je le poursuis nonchalamment. C'est une nouvelle tendance. Parce que les poursuites à fond la caisse, déjà on se fatigue pour rien. Hein. Puis voilà quoi. Oui, je crame un peu des allumettes parce que j'en ai un stock fabuleux. Je pourrais me reconvertir éventuellement après le jeu dans une carrière pyromane, je crois. Ça tombe bien, je suis là. Oh, tu m'ouvres? C'est moi, Jean-Pierre. Déconne pas. Tu vas pas tout boire tout seul. T'as vu tout ce qu'on a acheté? Non, pas ce soir. Ça suffit. Il y a des fois je vois pas les éclairs, c'est rigolo. Oui, je peux éclairer, mais j'aime bien l'obscurité, mon ami. Alors ce que j'aime pas avec Jean-Pierre, c'est ces jeux de cache-cache qui sont très très longs. On sent qu'il y a une dynamique, mais qu'elle est elle est douce quoi, elle est vraiment soft. C'est comme dans le jeu, il s'est fait désirer lui aussi. Et on retourne à l'auberge quand elle n'avait pas brûlé. Soit. Entrer dans l'auberge. Ça veut dire qu'il va y avoir une difficulté pour rentrer dans l'auberge? Non. Tu me ferais pas ça. T'es un jeu trop sympa. Il est étrangement trop sympa, je crois. Oh là. Oh là. C'est... D'accord. C'est l'auberge. How is that possible? What's happening to me?
je m'excuse pour les ponctuations, reniflements, mais le coup de froid, j'y peux rien. Et des chances qu'il gagne à la fin. Judge Norton, why am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Ooh, and mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. I told you time and time again, you snot, you can't come in here! This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way! Why does it all come back to me? I must get out of here. Je peux pas monter direct. Ce serait cool. Non, parce que moi on me fait voir une pioche, je fais ok, mais pas dans ces circonstances, les amis. Alors, est-ce que je vais t'accompagner dans ces grottes? Moi qui avais tant envie d'y revenir. On va avoir la réponse dans pas trop de temps, je pense. Moi je retombe tout le temps dans la même pièce, ça me ferait beaucoup rigoler. Non. Donc là j'ai pas de pioche. Ça va être mon repère cette pioche je crois. Si on fait des gauche-gauche et qu'on tourne à un moment à droite, ça peut le faire. Pour l'instant j'ai un gauche et un tout droit. Ok. Va me falloir un indice les gars. Ça va pas le faire comme ça. Un gauche, un tout droit, ça ne marche pas. Bien. Là, je reviens carrément d'où j'étais. Ouais, j'irais bien là-dedans. Exaucé. Sans me rompre le cou, ce qui est pas mal. Indice. Pioche. Toujours la pioche. On va aller là où il y a la pioche. Hein. On va prendre ça comme... comme repère et comme motivation. Je redescends encore là? Non, 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 ce serait pas drôle. je sens que le jeu va me faire tourner en bouillie un petit moment, ça va pas être drôle. Qui me la joue double trouble et voilà. Donc j'avais touché le fond mais comme par magie il n'y a plus de fond. Je peux pas péter ça. Non. Alors j'ai rien vu qui ressemblait à une trappe réellement les gars. Va
Ah purée. My bad. Bah, pourquoi tu veux pas? Gars. Alors me fais pas de sale coup, s'il te plaît. J'ai passé l'âge. Alors je suis devant quelque chose, mais il n'y a rien qui se déclenche. Je suis le malheur incarné. Et je confirme que... Sécateur, machin. J'ai pas la pioche dans l'inventaire. Elle a foutu le camp où? Non. Oh pitié, non, 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 non. Ah si, la pioche s'est mise, mais... Chaque fois qu'on va vraiment activer l'outil indépendamment de l'action, il y a des moments où on le voit pas trop. J'en aurais plus besoin, je sais pas où les passer de toute manière. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here. I deserved it. He cheated on her, did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. That's right. This is my chance. You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests! Don't steal from the rooms! But I've never, I swear to God! How dare you take his name in vain! You have no God in your heart, you damn little shit! Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now, it's time for me to open fire.
Oui, je pense, un petit peu. You're back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Pas le bon endroit, ça. Fuis. Problème, les gars. Oh, y a un autre problème là. J'ai pas vu un really happening? What's going on? Where's that voice coming from? Is this
happening right now? Adam! Adam! Emma! Emma, you're here! I must have lost my mind. Is it real? Or is it just my imagination? I'm hearing things that don't exist. It's just like... There's no coming back. Over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? The question is, why did you do it? He heard you, I know. And I opened your eyes, and then you saw... Your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They? Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on the tragedy of commoners. Sophia, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right, your father. A true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what?
You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? You will be gone because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life, and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. How are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day, the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened to Blackstone. What happened to your wife, and what they have done. But I was there. They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months. Did they tell you to brainwash me? They. Soviets, Ruskies, commies. Call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Shh. Maybe all that you told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions. It's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time? Who are you to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's condition's got worse again. Let's apply 400 volts. J'adore ça. Emma was innocent, and I thought she worked for the Soviets. I killed my wife. I killed her. Finally we're making progress, Adam. Tell me everything once again, from the beginning. About your work and, Adam? Adam is gone.
Et voilà donc pour ce The Beast Inside qui nous a tenu en haleine une vingtaine d'épisodes. Un jeu bien foutu. Et si vous voulez que je vous en parle en résumé pour en faire la critique sans spoiler, je vous laisse avec le stream suivant. Sinon vous avez les playlists habituelles, bidoup, et le bouton d'abo toujours. Magique. A plus. Il y a un petit courant d'air avec la porte, non ?